Je m'appelle Vincent Labrec, on est situé à Saint-Césaire. On a une ferme laitière qui se nomme la ferme La Brise. On a 70 vaches en lactation pour un total de 150 têtes. On a une production qui tourne à l'entour de 12 500 kg. On possède 620 arpenteurs qui est divisé en maïs grain, maïs ensilage, soya et foin. J'ai déposé ma candidature pour la bourse de la relève de la MRC puisque je trouvais que c'était une belle opportunité justement d'avoir des fonds supplémentaires. Le montant de 10 000 $ pour ça va s'appliquer pour mon projet qui est pour la relève de l'entreprise. Moi, je travaille sur la ferme, je dirais, environ depuis 8 ans. Mes parents m'ont toujours emmené sur l'entreprise sans me forcer. C'est vraiment moi qui étais intéressé. Je suis allé à l'ITA à Saint-Hyacinthe, à l'Institut technologique agroalimentaire. Faire mon cours de gestion technologique d'entreprise agricole. Pour le futur, mon frère, puisqu'il est intéressé avec moi dans l'entreprise, ça va être une copropriété entre moi et lui, probablement. Dans le fond, on souhaite moderniser nos infrastructures pour que nos animaux aient un meilleur bien-être animal. L'installation qu'ils sont actuellement est un peu désuète, si on veut. L'espace n'est pas optimal pour les animaux. Des fois, il manque un peu de place. Là, on cherche surtout à aller vers une stabulation libre. Donc, les animaux vont pouvoir marcher en tout temps. En terminant, j'aimerais remercier la MRC pour l'occasion de la bourse qui s'est offerte à moi, ainsi que les différents partenaires. Aussi, j'aimerais remercier mes parents qui me soutiennent et qui m'accompagnent dans cette expérience-là. Et finalement aussi ma tante qui m'a dirigé vers cette bourse-là.